Bien, bonjour à tous, c'est Abilijima, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode d'Espèce Générale Dévastation, l'épisode numéro 3. Alors déjà, j'ai vu que vous aviez fait une ovation pour l'épisode 1 et 2, et ça, ça fait très plaisir, en vérité. Donc, pour le coup, voilà, je suis très heureux de faire cette série en votre compagnie, et donc, pour le coup, nous allons continuer à faire tout et n'importe quoi sur cette série. Alors déjà, très chers amis, il faut savoir qu'il y en a, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, Willy, change la couleur de ton vaisseau, parce que sinon, si jamais il y a un vaisseau qui passe à côté, il va te flinguer. » Alors, non. Non, pour la bonne et simple raison que moi, la couleur de mon vaisseau, enfin, la couleur de mon vaisseau, hop, comme vous allez pouvoir le voir maintenant, si tu vois bien, voilà, vous voyez que le H, là, donc, il est à 318 degrés. Sauf que dans les paramètres du mode, et j'ai regardé, j'ai mis les paramètres par défaut à 317 degrés. Donc, pour le coup, le vaisseau, normalement, ne craint rien, si jamais je raconte pas de conneries. Si je raconte pas de conneries. Ça peut arriver, attention, je ne dis pas, ça peut arriver. Oui, c'est figé. Comment ça, c'est figé? Encore? Mais merde! Ah mais non, c'est pas figé! Paps, Willy, pirate. Je ne suis pas un pirate! Je ne suis absolument pas un pirate. Les gars, il faut arrêter de m'appeler un pirate. Je suis désolé, je ne suis pas un pirate. J'ai volé ce vaisseau qui était à des civils. Je peux être considéré comme un pirate, d'accord. Mais pour autant, je vole aussi les pirates, ce qui fait que ça fait de moi un corsaire. Et je préfère le mot corsaire au mot pirate, bordel de merde. C'est pas possible, ça. Alors, autre petite chose, j'étais en train donc de miner de la glace donc, pour remplir ce vaisseau. Et il y a le chat qui m'a dit, oui, Willy, est-ce que ce serait pas plus simple de mettre une foreuse au bout d'un piston? Chose que j'ai fait, donc comme vous voyez, ça creuse. Je crois d'ailleurs que c'est arrivé au bout, hein. Et donc, pour le coup, ça m'a rempli une bonne partie de mon vaisseau en glace, ce qui est plutôt pas mal. Alors, pour les commentaires, un commentaire qui me dit « Purée, le Willy qui trouve une bonne zone et qui meurt par curiosité excessive. » Bon, j'avoue, j'ai explosé de rire. Bon, j'ai aussi compati parce que j'ai fait la même. Oui, bah oui, forcément, je peux pas être le seul à faire les conneries, hein, ça c'était obligatoire. Un autre commentaire qui me dit « Au bout de 5 minutes, tu aurais dû appeler ta série « Déprime et coup de gueule ». Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas gueulé. Enfin, pas trop. Mais j'ai pas déprimé, ça c'est sûr. Un autre commentaire qui me dit la couleur pour grinder, tu la changes comme tu veux. Alors oui, je pourrais, mais je ne le ferai pas parce que le rose c'est très bien à grinder. Moi j'apprécie le rose. Mais simplement le rose 317 à grinder. Le rose 318 je trouve nettement plus... Je sais pas, je trouve joli. Oui, vous avez réussi à m'avoir à l'usure. Un autre commentaire qui me dit bonjour Willy, on n'a pas les rediffs complets du direct. Alors, ça, parlons-en, parlons-en. Vous pouvez avoir l'intégralité des rediffs quand vous le souhaitez. Je vous rappelle que WKZ, LG, Skeletor. D'accord. Toi, tu viens pas me faire chier, t'es gentil. Donc, je vous rappelle que les rediffs des épisodes ne sont jamais en privé. Elles sont simplement en non répertorié. Il faut savoir que si jamais vous êtes abonné à la chaîne, vous avez la possibilité d'activer la petite cloche. Cette petite cloche vous alerte quand je fais un live grâce à une petite notification. Cette notification, quand le live est terminé, vous permet d'accéder à la rediff, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous êtes abonné à la chaîne, vous avez accès à la rediff. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous n'avez pas accès à la rediff avant le samedi, date à laquelle je mets les rediffs en ligne. Voilà, comme ça au moins j'espère que c'est clair. Il faut bien que ceux qui sont abonnés, il faut bien que ceux qui sont abonnés à la chaîne aient également un petit avantage. Donc, très chers amis, alors j'ai eu énormément de commentaires, je ne peux pas tous les lire, mais j'ai eu énormément de commentaires et malheureusement la place sur mon écran est limitée, donc je ne peux pas tous les lire. Mais en gros, voilà, si jamais vous voulez voir l'intégralité des commentaires, je vous invite à regarder les commentaires qu'il y a évidemment sous les épisodes. Donc, pour le coup, très chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va se barrer avec ce vaisseau. On va se barrer avec ce vaisseau, il faut savoir que l'intégralité de ce qu'il y avait dans Christine... Je vous jure, l'appeler comme ça, ça me débecte. Donc, l'intégralité de ce qu'il y avait dans Christine a été transférée dans ces conteneurs-là. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de merdier. J'ai aussi énormément de glace, mais j'ai surtout beaucoup de merdier. Donc, du coup, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter Christine... Forcément, hein, je vais démonter l'intégralité de Christine. Ce vaisseau-là, alors oui, forcément, le vaisseau, comme vous le voyez, il est réparé. Oui, je voulais pas montrer ça. Il est réparé, il est joli, hein. Alors, je lui ai pas refait le cul comme d'habitude, enfin, comme il avait avant. Tout simplement parce que j'ai pas les ressources pour, hein, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai été obligé de mettre un projecteur parce que sinon, je m'en sortais pas. Donc voilà, je lui ai refait le cul un petit peu comme je pouvais. C'est dégueulasse dit comme ça, je sais. Et donc, pour le coup, au niveau des propulseurs... Ah oui, au niveau des propulseurs, vous vous souvenez, lors du dernier épisode... Que ce vaisseau s'était un peu posé en catastrophe. En fait, je n'avais pas la possibilité de contrôler ce propulseur-là.
et les propulseurs qui permettent de d'accélérer et de freiner en fait. Ces deux-là, j'y avais pas accès, je sais pas pourquoi. Les propulseurs pour monter et descendre, aller à gauche, aller à droite, ça allait. Mais ceux-là, malheureusement, aucun accès, aucun moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Donc, pour le coup, sur le chat, on m'a donné l'idée simplement de les détruire et de les reconstruire. C'est ce que j'ai fait, et pour le coup, ça marche. Donc, ceux-ci, forcément, je les ai détruits, je vais les reconstruire, c'est logique. Ce qui me permettra d'avoir un accès plein et entier au vaisseau. Et pour le coup, ça va très très bien se passer. Donc, très chers amis, petite ellipse, le temps que je démonte l'entièreté Christine, que je stocke tout dans le vaisseau et qu'on se casse enfin au point nouvelle maison. Ça va bien se passer, il faut y croire, il faut y croire, ça va très très bien se passer. Allez, très chers amis, petite ellipse, je pourrais vous faire un accéléré, mais en vérité, je crois que ça va prendre un petit temps, donc pour le coup, je préfère faire une ellipse. Si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, je vous rappelle, l'intégralité de ce que je fais est fait en live. Donc voilà, au moins vous n'aurez plus de. Vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas avoir tout vu. Donc, très chers amis, je vous dis à tout de suite pour le retour où Christine sera démontée. Donc, et bah à tout de suite. Oui, je vais démembrer Christine, je vais la mettre en petit cube dans mon vaisseau. Quoi? Vous avez un problème avec ça? Pas moi. Ah, donc, chers amis, donc, comme vous le voyez, j'ai refait les propulseurs. Alors, évidemment, tout le vaisseau va être recoloré, même si bon. J'ai dit que le rose me plaisait, en vérité, ce n'est pas le cas, hein, clairement. Donc là, tous les propulseurs ont été reconstruits. Il ne me reste plus que ça de Christine. Hein, tout le reste a disparu allègrement. Et ça, c'est bien. Donc, hop, on va continuer à démonter ce qui reste. Parce que quand même, hein, on va pas laisser la moindre chose ici. Hop, bien là-dedans. Qu'est-ce que... Il n'y a qu'un seul grand maître du don. Oui, je te fais chier durant ton record. Fais-toi plaisir, Fisman, il n'y a pas de problème. Donne-moi tout ton argent. Oui. Fais-toi plaisir. Donc vous voyez que l'intégralité de la structure tient sur ça. La preuve en est. Pouf! Pouf? Bah alors, pouf ou quoi? Ou pas pouf? Non, vraiment pas pouf, d'accord. Bon, bah, tant pis, hein. Tout à l'heure, pourtant, ça le faisait, mais là, je sais pas, ça a décidé que non. Oh, mais il y a des joueurs comme ça, faut pas chercher. Hein. Tu veux rester en l'air? Vas-y, reste en l'air, moi, y a pas de problème, vraiment. Hein. Pas pouf, c'est une base qu'on me dit sur le chat. Bah, tiens. J'essaierai de lui dire, non, vraiment, c'est promis. Donc l'intégralité de Christine a été démontée, ses composants sont à présent dans mon vaisseau. Et donc nous allons enfin rejoindre le point nouvelle maison. Il serait temps, hein, après des heures et des heures et des heures de galères. Parce que oui, je compte les galères de l'intro. Ah ça, il l'a bien démonté Christine. Ah bah oui, bah attends, à un moment... Faut bien que Christine sache qui est le maître. Et jusqu'à preuve du contraire, le maître, c'est moi. Hop, voilà. Tout ça, c'est bon. Alors, on m'a demandé en commentaire, enfin, on m'a demandé dans le live surtout, de repeindre le vaisseau, ce qui est une excellente idée. Du coup, on va le repeindre totalement en rouge, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi qui déteste le rose, bon, au moins, ça sera fait. En mode clean armor, hein, parce que maintenant, il est à moi, donc il est tout beau, il est tout neuf. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Juste, on va lui mettre une petite touche de noir. Parce que, quand même, hein, on n'est pas des bêtes. Hop. Ici, il était blanc quand il était rose. Donc là, il est totalement normal qu'il soit noir. Moi, je dis, c'est logique. Hop. Et voilà le travail. Ça se... Eh, ça se voit de l'intérieur. Hop, on va juste recolorer un petit peu là. Et hop, et voilà. Et là, pour le coup, les gars, c'est très bien. Ce vaisseau est tout beau. Maintenant, il est tout rouge et ça, c'est chouette. Alors, hop, pour le coup, bon, on va se préparer pour se barrer. Hein, il n'y a pas de raison. Hop. Voilà. Juste, ce que je vais faire, c'est quand même vérifier que les propulseurs, cette fois-ci, je les contrôle bien. Hein, parce que la dernière fois, ça m'avait quand même bien fait chier de ne pas pouvoir contrôler mes propulseurs. Hop, tac tac tac, c'était là. Tac, hop, hop.
Alors. Voyons voir, cette fois-ci, est-ce que ça marche? Voyons voir. Oui. Oh oui, cette fois-ci, ça marche. C'est magnifique, c'est merveilleux. Très bien. Donc, point un tout petit peu crucial quand même. On va essayer de récupérer le rover. Sans le casser, de préférence. Oui, j'ai dit de préférence, hein, parce que... Qu'est-ce que... Grand maître Woody Goa'uld. Ça, c'est encore des Fistmans. Tac, mais merci bien. Alors, voyons voir. Puis-je récupérer mon rover en espérant ne pas l'écraser? Parfait. Attention les yeux. Ah, il décolle. Oui. Très bien. Maintenant, direction. Oh, alors oui, j'ai pas les composants nécessaires pour réparer l'intégralité du vaisseau. Donc pour l'instant, il restera en semi-réparé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers le point nouvelle maison. Allez, go! Ça va bien se passer, il faut y croire, les gars. Mais si, mais si. Pourquoi tu le mets pas dans le hangar? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, mais bon, je l'ai pas expliqué en épisode, donc c'est vrai que ça a le mérite de se poser la question. Si jamais je le mets dans le hangar et que je m'amuse un petit peu à monter trop vite ou à descendre trop vite, le vaisseau, le véhicule qu'il y aura dans le hangar, lui, il va pas suivre. Et que lui, il va suivre, mais à son rythme. Autrement dit, il peut exploser tout l'intérieur de mon vaisseau. Ce que j'aimerais éviter quand même. Donc pour le coup, voilà, on va essayer de faire en sorte de se conserver. Tu le connectes? Oui, je le connecte, mais avec quoi? Alors je pourrais le connecter avec un train d'atterrissage, certes. Mais pour le coup, la flemme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à un moment. Bon, je suis pas forcément obligé d'avoir des raisons pour tout quand même. La flemme, c'est la flemme. Qu'est-ce que... Boum, le rover a fait un don d'un euro. Mais... Non, le rover ne fera pas boum. J'exige que le rover reste intact. Enfin, en tout cas, si je pouvais, ce serait bien. Donc, du coup, nous sommes à combien? Nous sommes à 22 km. Nous rapprochons, chers amis, nous rapprochons. Tout ceci va très bien se passer. Et là, il faut surtout pas que j'appuie sur la touche P, parce que si jamais j'appuie sur la touche P, le rover fait une chute. Mais une chute qui va pas bien aimer, et moi non plus, d'ailleurs. Les petits réacteurs, pas de panique, tout est sur le rover. Je n'ai absolument rien perdu. Au contraire, j'ai même tout gagné. Je vous rappelle qu'au départ, j'ai commencé avec un simple rover. Et ça, c'était il y a 2 épisodes, les gars. Donc, à un moment, bon. Tilalilala, la plaine de glace. La plaine de glace, la plaine de glace. Regardez-moi ça. Une plaine de glace entourée de hautes montagnes. Ce qui va me permettre d'avoir quand même un peu de glace, on va pas se mentir. Mais surtout, et ça c'est le plus important, surtout, j'ai des hautes montagnes, ce qui fait que je peux faire un petit peu tout ce que je veux, et ça c'est chouette. C'est que j'étais vachement rapide en fait. Je m'en rendais pas compte, mais un peu quand même, hein. Voilà. On va freiner tranquillement. Hop, allez. Ou ça c'est ma méthode pour freiner, je me mets sur le côté, ça marche bien. Enfin, la plupart du temps. Hop! Allez, go! Faut attendre que ça freine quand même. C'est quoi ça? UNDC B60, qu'est-ce que c'est que... C'est un vaisseau, et merde. C'est un vaisseau qui, a priori, ne va pas bien m'aimer, je pense. Vite, vite, vite. On va à la maison. Et oups, une montagne. Alors oui, il y a des montagnes, mais... Tu veux un rover intact et moi, je veux finir mon vaisseau. L'un des deux ne va pas y arriver. Mais si, mais si. Oh, t'es mauvaise langue, Fistman, franchement. Mauvaise langue que tu es. Faut savoir que là, la musique que vous entendez, c'est des noms qu'on me fait sur le live. Bon, moi, je suis content, ça me fait des sous. Et j'ai pas abandonné l'idée de jouer avec vous sur un serveur. Loin de là. Malheureusement, Space Engineer pour l'instant n'est pas stable. Et je n'ai pas les capacités pour faire... Pour faire 6 serveurs qui fonctionnent en simultané. Ça, j'ai pas les capacités de le faire, ça. Hop. Ok. Je suis un petit peu lent à m'arrêter, mais tout va bien, c'est normal. Allez, arrête-toi, mon gars, on va pas y passer la nuit non plus. Voilà, là, je m'arrête beaucoup plus vite. Ça, c'est bien. Ça.
C'est pas moi l'histoire du rover. Ah, c'est pas toi? Ah merde. Je crois que c'était toi, pardon. Hop. Ok, allez, on descend. J'allais dire, je devrais pas m'écraser, mais enfin, je descends quand même vachement vite sur la montagne, je trouve. On va pas se mentir que c'est un petit peu inquiétant. Si tu veux faire Willy le pirate, je te le conseille sur ce vaisseau-là. Ah bon? Le B60, il est intéressant, c'est vrai? Un petit peu de piraterie, ça peut être bien, ils ont du stuff. Je ne suis pas un pirate, bordel de merde! Je suis un corsaire! Ce n'est pas pareil. Je méprise les pirates, je hais les pirates. Je ne suis pas un pirate! Le prochain qui me dit que je suis un pirate, je dirais bien que je le bannis, mais non, je peux pas. Enfin, si, je pourrais. Alors, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Y'a mon rover qui suit, tout va bien. Willy le Tipiak. J'en connais qui vont être bannis. J'essaie de faire ça bien, hein, histoire de pas m'écraser comme une merde une autre fois. Tu es un pirate, t'as fait un radon de radon. Je ne suis pas un pirate, bordel. Ah, par contre, je vais m'écraser sur la montagne, ça c'est certain. Captain Crochet, oh, tout de suite. Vous avez vu, les gens, ils sont méchants quand même. Hein. Ils me disent que je suis un pirate alors que c'est pas vrai, tout ça. Non, mais vraiment, hein. Les gens sont d'une méchanceté de nos jours, c'est fou ça, quand on y pense. Bon, là au moins je suis sur la plaine de glace, c'est déjà pas mal. Mais allez le voir le B60, je sais pas ce qu'il vaut. Alors je vais aller le voir en jetpack, hein, qu'on se rassure, je vais pas m'amuser. Quoique non, 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 c'est pas du tout une bonne idée d'aller le voir. Si jamais il m'envoie des drones et puis que les drones arrivent sur mon vaisseau, je vais peut-être gueuler. Donc non. Je n'irai pas voir ce pirate. Enfin, ce truc. Je suis à combien? 123 mètres du sol. Jusqu'ici, c'est pas mal. Ok, alors. Tac, tac, tac. 53 mètres du sol. Moi, pour le coup, ma baraque, je vais aller faire dans ce petit creux, là. Alors, ce coin-là, je le connais pas. Hein. Je vous rappelle, j'ai découvert en live. Donc pour le coup... Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des routes montagnes, fait que je peux faire de grands trucs à l'intérieur. Et ça, c'est chouette. Bah oui. Alors attends, quand même que je regarde, que j'éclate pas mon rover quand même. Ah. Parfait. Sublime. Bien vu, capitaine des pirates. Je suis pas pirate, bordel. Je sais pas en quelle langue faut vous le dire. I am not a pirate. C'est bon en anglais ou... Parfait. Ah, nous y sommes enfin. On aura pris du temps de venir. Hein. On va quand même pas se mentir que... Un petit peu de lumière. Ah, la lumière était déjà allumée. Ok. Les gars, nous y sommes. Les légendes racontent que si tu fais un stream, Willy, tu te fais un type. Les légendes racontent que si tu fais un stream, Willy, te fais un type pour te rendre les sous. Ah bon? Ah non, 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 non. Ah, je suis pas du tout d'accord, les sous, je les garde. Rien à faire. D'ailleurs, j'ai découvert quand j'étais en... Quand j'étais en train de démonter Christine tout à l'heure, j'ai découvert que, regardez. Je suis un peu trop lourd à l'arrière, ce qui fait que quand j'accélère, ben... Je fais un petit peu les roues avant, c'est sympa, moi j'aime bien. Ok, les gars, nous y sommes. Alors, pof 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 pof, on va essayer de faire les choses bien. Déjà, on va virer le rover, parce que le rover, c'est ma sauvegarde. Hein. À savoir que si jamais je repop sur le rover. Bon, après, quand le rover fait des roues avant, c'est pas évident de tourner, ça je l'accorde. Hop. Voilà, le rover dans le trou, il sera plus difficile à détecter. Ce n'est absolument pas vrai, mais... J'estime que... Voilà. Hop, j'ai assez d'énergie pour combien de temps?
pour à peu près la moitié d'une année. Ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Ok, donc moi je dis, on va commencer l'entrée ici. Ça me paraît plutôt pas mal en vrai. Du coup, alors attendez, avec le vaisseau, je vais essayer de bien m'aligner. Parce que quand même, toi, tu... quoi que non, toi, tu peux rester là. Ça donne l'illusion que le vaisseau, il est intact. L'illusion seulement. Malheureux quand on y pense. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Hop. Alors attendez, j'avais dit ici. Hein. Donc du coup, hop. Voilà, à peu près comme ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va se rapprocher un petit peu quand même. On va pas y aller trop vite parce que j'ai pas envie d'éclater un truc. Je pouvais éviter, en tout cas, ce serait bien. Hop. Je dis que j'ai pas envie d'éclater un truc, mais mes oreilles me disent le contraire. Tiens, c'est bizarre ça. On dirait que le vaisseau passe à travers la glace. Ou alors c'est moi, mais je suis pas. Attends, est-ce que le vaisseau est droit là? Je suis même pas sûr. Ou alors j'ai éclaté un train d'atterrissage, c'est possible aussi. Non, train d'atterrissage. Quoique. Donc si, train d'atterrissage que j'ai bien éclaté. C'est totalement normal, c'est totalement logique. Hop! On va quand même le réparer parce que bon. Quand même un petit peu notre vaisseau, alors à un moment, voilà quoi. Voilà. Ce vaisseau, ce train d'atterrissage est à présent réparé. Du coup, est-ce que ce vaisseau est droit? Plus ou moins. J'ai l'impression. Comment tu fais un hangar dans la montagne pour y mettre tes vaisseaux? Bah je creuse. Cette fameuse blague. À ton avis, comment je fais? C'est pas compliqué, hein. Je creuse, c'est tout. Ouais, si ça va. J'ai l'impression que le vaisseau est quand même relativement droit. Alors comment est-ce que j'évalue en fait que c'est droit? En fait, c'est simple, regardez. Quand j'active le jetpack, je mets automatiquement droit. Donc là, du coup, je touche plus à la souris et donc je peux regarder si jamais je suis droit ou pas. Et oui, je suis à peu près droit par rapport à... Aïe. Par rapport à là, vous voyez. Là, j'arrive à peu près à peut-être un quart du bloc dans ces eaux-là. Là, vous voyez, je suis à peu près à un quart aussi. Donc là, je suis bien droit. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que déjà, le troisième train d'atterrissage que je viens de réparer, on va quand même le lock, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ah oui, excusez-moi. Traduction foireuse de... Excusez-moi. Traduction foireuse de ce PCNJ, je disais. Verrouillé. Prêt au verrouillage. Hop, il est verrouillé. Parfait. Maintenant, très chers amis, ce que nous allons faire, car nous avons quand même un petit peu de ressources, on va pas se mentir. Construisons les Drill and Fill System, ce qui va me permettre d'allègrement tout creuser, tout simplement. Alors j'espère que j'ai de quoi, hein, je suis pas sûr. Parce que aussi bien pour les build and repair, comme vous allez le voir, ça coûte ultra cher. Parce que forcément, voilà, à un moment. Comme vous voyez, ça coûte une giga blinde à construire, chose que j'ai absolument pas encore. Par contre, pour les drill and fill, c'est autre chose. Les drill and fill, ça coûte quasiment rien à construire. Et donc du coup, ça m'intéresse, vous pensez bien. Tac, je peux pas les construire, il me faut des plaques d'acier. Tilalilala, tilalilala, ça va bien se passer. Pourquoi je me suis fait chier à faire des portes? Je me pose la question, moi. Tac, tac. Hop. Paf, 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 on va s'en faire 3. Déjà, ce sera pas mal. Mon inventaire est blindé, mais ça, ce n'est pas très grave. Tilalilala, cheater, faut augmenter les prix. Augmenter les prix de quoi? T'as vu le prix des build and repair, mec? Sans déconner. tac, bon bah écoutez, on va commencer. Impossible de placer le drill and fill system. Ah oui, ah tu crois ça, toi? Alors attendez, faut juste que je regarde. C'est dans quel sens? Left et right. Ok, comme ça on est bon. Hop, hop, hop. Voilà. Quel est le mode que tu utilises pour avoir ce genre de vaisseau? C'est un vaisseau qui vient du mode Air Traffic, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il flottille au-dessus de moi, hein, je me suis juste contenté d'aller le chercher, c'est tout. Hop, ok, donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais allègrement pouvoir faire, ça va être relier ça avantageusement ici.
parce que j'ai quand même des projets avec ce vaisseau, on va pas se mentir. Tic tac tac, tic tac tac. Dilalilala. Alors, au niveau de convoyeur, il va en falloir un comme ça et un comme ça. Est-ce humainement possible d'espérer avoir ça un jour? Ouais. Alors. Hop. Tilalilala. C'est ça. Voilà. Hop. Sauf que lui, forcément, on va le mettre en rouge, hein, comme les autres, il n'y a pas de raison. Parfait. Je confirme, Woody a piraté ce vaisseau. Vous savez que je vais tous vous... que je vais tous vous... Hein? Voilà, hein? Et plus encore. Vous le savez, ça. J'espère. J'espère comment vous le savez. Bon, alors, très chers amis, comme vous le voyez, j'aurai de quoi, en vérité, rajouter ce réacteur nucléaire ici, étant donné que, bah, je vous rappelle que j'ai celui de Christine, hein, que j'ai allègrement pillé. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais absolument rien rajouter de ce réacteur nucléaire. Par contre, ce que je vais faire, c'est rajouter un four à arc, parce que ça, c'est indispensable. Comment ça s'appelle? C'est pas un four à arc que ça s'appelle? Ah non, c'est vrai, c'est raffinerie basique. Excusez-moi. Hop, raffinerie de base et assembleur de base, tant qu'on y est. Qu'est-ce que... Serviteur de Sauron. On me dit sur mon chat que je suis un serviteur de Sauron, ce qui est absolument inacceptable. Et c'est en plus absolument pas vrai. Je suis pas un serviteur de Sauron. Enfin, c'est quoi ça? Basique raffinerie, il faut quoi? Des plaques d'acier. Si jamais il y a que ça peut se trouver facilement. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Une petite centaine, ça devrait aller. Ça va, ça coûte pas extrêmement cher à construire. Donc, avec ce que j'ai, allègrement pillé dans le. Dans le. Comment dire. Dans le vaisseau de. Enfin, dans Christine, je veux dire. Ça devrait plutôt bien se passer en soi. Tac, tu veux pas. Ah, merci. Quand même, il était temps. Hop, ce que je vais faire, c'est que. Ah oui, mais non. Ah, mais non, c'est vrai que la sortie, elle est en bas. Excusez-moi, je regarde. Tac, 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 tac. Ça m'emmerde. Hop, voilà. On va faire ça comme ça va bien se passer. Voilà. Hop, j'ai absolument pas besoin de descendre. Hein, ce n'est pas un vil serviteur de Sauron, c'est juste personne. C'est extrêmement vexant ce que tu me dis là. Comment ça, moi je suis personne? Non mais d'où ça sort ça? Ça c'est gênant par contre. Que tu me dises à moi que je ne suis personne, je sais pas comment je dois le prendre. Franchement. Ah putain, merde, ils sont pas tous reliés entre eux. Ah, bon bah écoutez, tant pis, on va devoir les relier entre eux, c'est pas grave. Tac, avec les petits convoyeurs des familles. Normalement, j'en aurais pas besoin d'autant, mais bon, j'espère que j'ai ce qu'il faut quand même. Ouais, j'ai ce qu'il faut, super. Tac, donc si jamais... oui, tu me diras, je peux faire ça comme ça. Alors oui, je peux faire ça comme ça, mais ça va être compliqué quand même. Toc, on va se mettre une petite jonction de convoyeur ici. Hop. Là, on va mettre ça là. Ici, on va prendre celui-ci. Voilà. Hop, ici, nous allons prendre... Attends, mais non, mais... Qu'est-ce que tu fais, Willy? Willy te fait n'importe quoi. Fais nawak. Ne te laisse pas distraire par ce chat que je ne saurais voir. Des gens qui ne savent même pas différencier un corsaire d'un pirate. Quelle horreur.
Je me demande comment vous pouvez vous lever le matin, hein, franchement. Bon ben un culte. Vous ne méritez même pas. Même pas que je m'abaisse à lire vos commentaires. Voilà. Et là déjà les gars, on est bon. Alors, pour ceux qui me demanderaient, ouais Willy, pourquoi t'as fait ça? Je vous rappelle, à titre informatif, que déjà ce machin là ça m'emmerde, j'en ai marre d'avoir. À chaque fois, voilà, comme ça déjà c'est beaucoup mieux. On y voit déjà un peu plus clair quand même. Hop. Voilà. Disais-je, je vais grinder de la pierre. La pierre va venir se faire cuire par les raffineries de base. Et ensuite, quand j'aurai besoin de composants, forcément, les assembleurs de base feront le taf. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de savoir si je peux me faire un assembleur direct. Parce qu'autant qu'on y est, j'ai un petit peu de composants, je veux dire, à un moment, voilà. On va quand même pas s'en priver. Exotique assembleur. Non, un assembleur de base. Pas exotique, c'est possible. Genre, comme ça. Ai-je de quoi ou pas? Parce que ça, ça coûte un peu plus cher, par contre. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Aha. Donc, changeons nos plans, les gars. De toute façon, je parle dans l'espace depuis une heure. Mais non, mais non. Tu dis ça parce que t'es en colère. Mais tout va bien. Tilalilala, tilalilala, hop. Un petit assembleur des familles, hop, histoire de commencer à parler correctement. Hop. Nous allons donc mettre ça. Alors, je me demande si jamais ici, en vérité, c'est une bonne idée. Je me dis que je pourrais le mettre au-dessus, histoire d'avoir un accès quand même. Un accès genre là. Paraît bien, hein, fais voir. Willy n'existe pas, il est juste le fruit d'une initiation collective. C'est donc ça. C'est donc ça. Je ne le savais pas. Voilà. Comme ça, grâce à cet assembleur, je vais pouvoir me faire... alors les outils de tier 2, je suis pas sûr. Vraiment. Les outils de tier 1, ça je me doute que ça doit être possible. Les outils de tier 2, fais voir. Qu'est-ce qu'il me faut? Fer, nickel. Ah non, de cobalt. Ah, quoique, si, du cobalt. Attendez, 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 attendez. Le cobalt peut-être. Le cobalt peut-être. Il me semble que les grilles métalliques dedans, il y a du cobalt. Un tout petit peu, mais ça devrait suffire. Voyons voir. Alors, par contre, il ne faudra pas que je les perde, ces outils-là, parce que ça va me coûter relativement cher à produire. Tac. Désassemblage. Désensemble-moi. 10. Ouh. 10, s'il te plaît. Un jour. Bah, et pourquoi? Ah bah, je suis con, je suis pour lui. Ce sont des choses qui arrivent. Pas de panique, pas de panique. Le Willy fait n'importe quoi. Mais tout va très bien. Tilali tatat, tilali tatat. Du coup, évidemment... Je n'ai absolument plus rien à mon avantage. On t'aime quand même te donner de l'amour. Ah bah écoute, oui, pourquoi pas. Si tu le dis. On me fait beaucoup de bons durant cet épisode. J'ai rien demandé, mais on m'en fait. Vas-y, c'est composant de construction. Ce n'était qu'une foutaise. Ok, alors attendez. Tilali tatat, tilali tatat. Il me faut encore les convoyeurs. Vuel. Ça, ici. Tac, ça ici. Et ça ici. Ah ah ah! Tout va être opérationnel. Hop! Toi, je t'ordonne de marcher. Tu marches, ouais! Oui! Ah 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 ah! Tu fonctionnes et ça, c'est bon. Attendez, juste je vais aller remplir mon énergie parce que sinon ça va le faire. Oui, je suis. Mégalo, mais un peu bancal quand même, hein. Qu'est-ce que... Bon, ça finit, oui. Mais on s'aime encore plus entre nous. Bah oui, forcément. Arrêtez de me faire des dons, je vous l'ordonne. On m'écoute pas, mais... Oui, ça m'a donné du cobalt. Ce qui fait qu'à présent, en minant dans cette montagne, je vais avoir tous les ingrédients nécessaires. Déjà, afin de me mettre au ras du sol, parce qu'il faut savoir que je me ferai une route. Une route en terre, hein, forcément, mais je me ferai une route de manière à entrer là-dedans. Parce que ça, c'est la suite de mon plan, forcément. Mais surtout, et ça c'est le plus important, je vais faire en sorte déjà d'y rentrer ce vaisseau, parce que oui, c'est important, et d'y rentrer le rover, parce que si jamais on vient à m'attaquer, ben, il faudra peut-être quand même que je puisse
disons, survivre, ce serait déjà pas mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'installe sous terre, hein, parce que je vous rappelle que dans cette saison, le Willy, il n'a pas de bouclier. Ce qui fait que le Willy est particulièrement vulnérable, surtout au début. Le Willy, ça, il peut tomber sur un orc. Hein. Oui, il peut tomber sur un orc, sur des corruptes aussi. Bref, sur toutes ces saloperies qui peuvent littéralement me rayer de la carte. Donc du coup, on va essayer... Arrêtez de courir. Au secours, je peux plus parler. Bref, le Willy va essayer de rentrer le vaisseau et le rover dans la montagne de manière à pas se faire éradiquer de la surface de toute cette planète. Donc voilà, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils ou quoi que ce soit... Ah, c'est pas vrai! Tu feras attention, il fait pas chaud chez toi, Willy. Comment ça, il fait pas chaud chez moi? Effectivement, il fait froid. Bon, ça, c'est pas grave. J'arriverai probablement à m'y faire. Allez, très chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et à la prochaine. Oh, Seigneur.